Bonjour, je suis Marie-Noëlle de Pinot, je suis villeneuvoise depuis une vingtaine d'années. Je m'implique dans la vie associative de la commune et notamment dans l'association Basta les déchets. Ce projet est porté également par deux autres villeneuvoises, Médélie Menuet et Fabienne Lefebvre. Nous proposons de mettre en place des cendriers dans l'espace public pour collecter et recycler les mégots de cigarettes par une entreprise française qui les dépolluera et les transformera en plaques de plastique pour faire du mobilier urbain. 20 à 25 000 tonnes de mégots sont jetées chaque année en France. Au-delà de la pollution visuelle que cela représente, ces déchets sont surtout une source de pollution environnementale. Malgré sa petite taille, le mégot de cigarette est l'un des déchets qui contient le plus de substances chimiques toxiques. Les mégots de cigarette exposés à la pluie se rincent de ces substances chimiques qui se retrouvent dans nos sols et nos rivières et les polluent. Emporté par les eaux, il libérera sur son chemin les matières plastiques qui le composent pour finir dans l'océan. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Je souhaite mettre en place ce projet pour que les villeneuvoises et les villeneuvois retrouvent des espaces sans mégots, que nos sols et nos rivières ne soient plus pollués, qu'on puisse profiter d'une nature saine. Si vous voulez voir ce projet se réaliser, votez. Merci.